faudra rapprocher le constat dans ces cas-là. Bah, Mirage, j'irai avec moi. Ah, pas bête idée, je pense qu'on va poser derrière, ils vont se débrouiller parce que sinon, on va pas avancer. Ouais, c'est ça. Bon. Bonjour à tous, c'est Osior de l'FTI et je reviens à vous pour cette vidéo. Alors, plusieurs choses. La première, c'est que là, on a fait un petit event entre nous, les trois organisations que je connais et qu'on représente, qui sont Ambact, FTI et Osmose, qui se sont réunis pour un petit event. Alors, l'idée de cet event, c'était de pouvoir collecter effectivement une cargaison qui était ramassable par unité, ce qui n'est pas évident, sans transpalette, sans rien, puisque ça n'existe pas encore dans Star Citizen. Un jour, ça existera. Et donc il fallait transporter toutes ces cargaisons dans un vaisseau à la surface. Donc je pense que ce genre de truc, vous l'avez déjà vu en stream chez pas mal de youtubeurs et streamers. Mais voilà, l'idée c'était effectivement qu'on s'organise intelligemment pour pouvoir ramasser cette cargaison le plus rapidement possible. Alors normalement c'est avant qu'on puisse se faire attaquer, mais là c'était avant que les serveurs crashent, of course. C'était un peu compliqué à ce moment-là sur ce patch. C'est bon? Ok, on y va. On monte. Ok, on a besoin de quelqu'un pour décharger avec nous. Vous êtes trois sur la plateforme là. Bon, on a encore de la place. Ok. Trop tard. Okay. Non, mais c'est pas grave, je vais aller en bas. T'as vu ça? Je ferme ma gueule. Sortez vos flingues parce que si on a de la rencontre. C'est pas ce que je voulais dire, mais. On se couvre derrière la drogue, ça va faire de la fumée. Donc, il fallait trouver une idée de logistique, ce qui est très important dans SC, puisque la logistique sera une part assez importante dans ce jeu. Ah ouais, y a vraiment de tout, hein. Y a de la résine, de l'extra, de la mètre, okay. Y a pas de tout, quoi. Kalash, tu peux essayer d'approcher des boîtes vers l'extérieur, mais pose-les, ne les jette pas. Puisqu'il faudra charger et décharger votre vaisseau au fur et à mesure de chaque mission. Donc, ce qui va être assez compliqué. Mais quand vous êtes une petite équipage, vous pouvez vous organiser intelligemment pour faire ça le plus rapidement possible. C'est ce qu'on a essayé de faire. C'est jamais très évident, comme vous pouvez le remarquer. Mais en tout cas, on peut y arriver. Avec un peu de sérieux et un peu d'écoute. Bon, l'event après un ou deux crashs, c'est plutôt bien passé. Vous en pensez quoi? Je finis la mission cache et puis je reviens ou... Si tu veux. Tu peux, de toute façon on a des vaisseaux pour porter, donc c'est bon. Ok, bah c'est quoi, comme ça on n'en parle plus. Alors, actuellement j'ai 29 000 Alpha UEC à moi. Après je répartirai les sommes en fonction de ce qu'on aura récupéré si on peut. Voilà, qui lâche. Sinon ça va me prendre 20 minutes à revenir. S'il va falloir que je me suicide. Ouais. Nénu, on est des manutentionnaires, mec. À mort, réparateur de commandes. Ça a été assez long. On y est arrivé, on a réussi à collecter pas mal de sous. Ça nous a permis aussi de voir le prix de la marchandise qu'on achetait et de savoir exactement ce que c'était. Et de pouvoir faire effectivement remplir des tableaux. Parce qu'il va falloir faire des rapports à chaque fin de mission sur les collectes, sur ce qui a été vendu et la recette qui a été faite. Bien sûr, les dépenses qui seront engendrées par cette mission. Alors, j'ai vu... Alors, évidemment, on attend Microtech, puisque c'est censé être la planète suivante qui va s'implémenter dans le Star Citizen, sur un patch qui va venir. Et on nous parle déjà de Horizon. Horizon, c'est Crusader. C'est une planète qui était très mal terraformée. Et donc c'est une planète gazeuse, mais dont l'atmosphère est respirable à haute altitude. Et qui va avoir une construction plutôt aérienne, puisque ils sont une cité dans les nuages. Et c'est comme ça qu'on a pu y construire un réseau de plateformes flottantes, habitables, et de construction militaire. Donc évidemment, il était prévu qu'il y ait des gros vaisseaux qui puissent s'amarrer sur ces plateformes, comme des hulls, de très grosse taille et autres, sûrement l'Endeavor. Mais de plus, ces plateformes ont une particularité, c'est qu'elles vont permettre de construire des vaisseaux à moindre coût. Donc elles ont plusieurs fonctions, ces plateformes, et pas des moindres, puisqu'elles permettent de faire du commerce, mais aussi pouvoir construire des vaisseaux de grosse taille en ayant un moindre coût. Donc la société Crusader a également construit des logements pour tous les employés qui avaient besoin afin de construire ces vaisseaux et pouvoir faire ce commerce. Et donc on considère que Crusader est devenu le plus beau port du système. Et donc Crusader a une architecture plutôt sympathique. Moi j'aime beaucoup, là vous le voyez sur les images.
que ces plateformes suspendues, franchement, on a envie de s'y balader, quoi. Quand on y verra tous les transports s'amarrer dessus, ça va être plutôt sympathique. Est-ce que ça signifie aussi qu'il va y avoir le système d'amarrage? Pourquoi pas? Parce que pour l'instant, c'est pas tout de suite, donc peut-être que la technologie d'amarrage existera à ce moment-là. Donc on le saura assez vite. Donc, on a hâte de voir cette ville suspendue dans le ciel très rapidement, puisque je pense que les premières images pourraient être super intéressantes. Et Dieu sait qu'en tant que futur collecteur, parce que j'adore voir ce gameplay de gaz pour mes Starfarers, puisque ça sera une des premières planètes gazeuses du système. Et la seule, évidemment. À mon avis, dans peu de temps, il y a une lune pardon, qui va finir par disparaître. Ça sera Delamar avec Levski, qui donc va partir dans un autre système, qui est le système Nix. En tout cas, j'ai vu que le server meshing c'était en cours et que c'est plutôt bien. Donc j'ai hâte aussi que ça évolue bien afin de pouvoir avoir de meilleures performances serveur pour qu'on ait moins de lag entre le serveur et le client. Ce qui va sûrement améliorer l'IA de chacun des personnages, des PNJ qui sont dans le jeu. Je pense qu'il sera pas plus mal, parce que parfois c'est un peu ridicule. Ouais, ça dort pas vraiment, il faut les lancer carrément. Oh, c'est fini. En fait, non. Faut faire un place, tu charges et tu balances. Attends, aussi, je crois que je te fais venir pour rien. Non, ça marche pas. Il te le laisse? J'ai eu l'impression. Et tu peux être posé ailleurs avec, c'est ça? Ouais. Ouais, j'ai vu la mission faire comme ça. Oh, c'est pas grave, je suis pas mis pour rien, tu peux monter avec moi et on y va. Non, je sais pas si tu peux garder, est-ce que tu le poses et c'est bon. Mais va savoir si la prochaine mission, elle te dit il est où mon putasse, tu vois. C'est... Ouais, c'est pas bête. Attends, j'ai un écho sur. Non, mais en plus, je viens de me dire si. J'ai envie de venir, on y est avec machin et en fait, non, on pourrait pas le vendre. Parce qu'il y a une situation dans la mission, je sais pas si c'était dans la dernière vidéo que j'ai fait. Il y a une autre phrase qu'elle te dit, elle veut plus jamais te voir dans ce secteur et si tu touches à ses affaires, elle te bute. Ok. Et ça, c'est un des... Aussi, on sait pas, je suis dedans.